tout d'abord un pain soufflé garni d'une crème de romarin et anchois. Juste ici, émulsion de boudin noir qui va s'accompagner de tuiles de lin. Et voici pour continuer un cône garni d'un houmous de carottes, yaourt et un mélange d'épices qui nous provient de l'Inde. Et juste ici, tartelette garnie d'un tartare de potimarron, crème légèrement fumée et de noix râpées. Et le petit dernier, un petit bateau garni de tourteaux, crème de haddock et chou rave. Bonne dégustation. Nous avons un pain brioché fait maison qui accompagne un beurre travaillé maison au café, café du torréfacteur Arzon, le café des Ruiz. Pour monsieur, vous allez pouvoir retrouver un pain au levain maison accompagné d'un beurre travaillé maison au thé du jardin qui donne un peu le même goût que la bergamote, un petit arrière-goût de citron. D'accord. Vous allez pouvoir retrouver Monsieur Tomate Marinée de la ferme de Kervérec, accompagné des points de spiruline juste ici, qui nous provient de l'eau coin de Mindon. Crème glacée à la crisque marine, et je vais vous servir une eau de tomate. Bonne dégustation, je vous en prie. Vous allez pouvoir retrouver juste ici brunoise de poivron, accompagnée d'une rouille de homard et palourde, juste au-dessus. Bonne dégustation, avec plaisir. Nous avons le bar mariné accompagné des pointes d'ail noir crémeux à l'artichaut. Également, agrémenté une sauce aux noix illiprates, donc on est sur un vermouth français. Et puis à côté, dans la deuxième assiette, vous avez l'huître qui a été pochée dans sa coquille et ensuite décortiquée, accompagnée des choux-fleurs et sauce tonnato, thon capre. Vous, madame, c'était bien. Langoustine juste tiédie, servie avec petit melon cuisiné, vous avez céleri également, petite pointe de gel citron, et on va agrémenter ici d'une bisque de langoustine. Et voici. Bonne continuation. Vous allez pouvoir retrouver l'hôte cuit façon meunière, accompagné de mûres et d'une crème à l'alivèche. L'alivèche, c'est la plante mère du céleri. Vous allez pouvoir retrouver juste ici tartelette garnie de joues de lotte, légumes d'été, une crème à la bonite. Et je vais vous servir sur la lotte un beurre blanc légèrement fumé avec une huile d'olivet. Bonne dégustation. Avec plaisir. On va continuer sur un pavé de veau de lait de Belle-Île qui est servi avec une petite purée de prunes aneth, quelques girolles. Et on va agrémenter ici avec un jus de veau réduit. Voilà. Juste à côté, vous avez rognon, pied de veau cuisiné, espuma d'herbe et petite fleur œillet d'Inde du jardin. Rhubarbe pochée, accompagnée des fraises des Plougastel, glace à l'anis, granité à la rhubarbe et un coulis à la fraise pour agrémenter. Bonne dégustation à vous, madame et messieurs, avec grand plaisir. Donc, vous allez pouvoir retrouver ici un croustillant chocolat accompagné d'une crème au chocolat, crème au caramel, sablé croustillant et d'une glace au foin. Glace au foin, c'est bien ça. Je vous laisse goûter. Bonne dégustation, mais avec plaisir. Vous allez pouvoir retrouver ici un sablé croustillant accompagné d'un gel lait ribot, chantilly à la cardamome, raisin et juste ici tuiles de chocolat, crème cassis et un voile framboise. Bonne continuation. Avec plaisir. Vous allez pouvoir retrouver juste ici un baba à l'hydromel accompagné d'une glace au miel de Plougoumlen. Bonne dégustation. Alors là, on va toujours revenir. Ah bah avec plaisir. On est en train de justement d'en parler avec mon mari. Je dis, mais c'est trop bien ici. Parce qu'on fait énormément du restaurant. Et là, énormément. Pas autant qu'avant. Justement, à votre petit... Enfin, je sais pas si c'est l'apprenti.
aussi. On lui disait, bah, on était chez Gagné l'année dernière, là, bon, on en parlait justement. C'est grand, mais c'est peut-être pas si facile que ça. Oui, ouais, c'est super bien quand je prends la plaque parce qu'on ne nettoie pas le midi pour le soir. Non, mais il n'y a pas de souci. Vous arrivez bien à tout.